En ce moment, je me gave sur les matières premières. Pommes, bananes, viande, je mangerai tout jusqu'à indigestion de mon portefeuille. La news du jour, c'est la fermeture du plus gros hedge fund spécialisé dans les matières premières. Pas parce qu'il a fait faillite, non, parce qu'il a trop d'argent. 2 ans après son lancement, le fonds Clive pèse 3,5 milliards de dollars avec un rendement actuel de 74%. Le problème pour les hedge funds de cette catégorie, lorsqu'ils tradent sur des matières premières un peu exotiques comme le blé, le café ou encore le fuel, ils deviennent rapidement trop gros pour se partager le gâteau. Eh ouais, pas assez de contrats à s'échanger, le pauvre. Notre problème à nous, comme les entreprises sont loin d'être au top, les gros investisseurs préfèrent se rabattre sur de la valeur sûre, du concret, de la matière première. Du coup, les prix vont grimper. Et mettre une grosse gifle à l'économie. Démonstration, le prix du fuel acheté par les Américains pour se chauffer vient d'enchaîner sa 5e semaine de hausse consécutive. Ça va encore ruiner les familles, ruiner l'économie. Et qui pourrait alors en profiter pour acheter des sociétés comme dans un supermarché hard discount bradé? Bah c'est pas toi, c'est les hedge funds.